vidéo qui va être un petit peu la vidéo du n'importe quoi. En fait, j'ai décidé de faire une vidéo qui mixe deux choses. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de choses dont je veux vous parler que j'ai jamais assez de temps pour le faire. Je vous préviens dans des vidéos précédentes et finalement, je le fais jamais. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire deux choses en même temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, ou si ça vous embrouille un petit peu trop. Alors, sachant qu'aujourd'hui, du coup, je vais tester un masque. Voilà, et je vais vous parler de la dernière Beautiful Box. Donc c'est parti. Alors le masque, je l'ai commandé sur le site Korea Depart. Je commande beaucoup sur ce site. C'est vrai que c'est un des sites où je trouve que c'est le moins cher pour trouver des produits coréens. Et jamais eu de problème de douane, jamais eu de problème de livraison. Si jamais ils sont en rupture d'un produit, c'est le cas en ce moment, j'ai fait une commande, soit ils vous en renvoient un autre que vous choisissez, soit ils vous remboursent, donc aucun souci de ce côté-là. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je continue à commander sur ce site, sachant qu'en plus, quand je fais des comparatifs avec d'autres sites style Mémébox ou des choses comme ça, eh bien, c'est toujours moins cher. Donc du coup, c'est pour ça que je prends via ce site. Et là, j'ai commandé donc un masque. Alors, voilà, donc Gold Coating Hydrogel Mask. Donc en fait, c'est censé agir sur les rides, l'hydratation, la nutrition. Donc je vais l'appliquer et il faut laisser poser 20-30 minutes. Donc du coup, pendant que ça pose, enfin du moins une partie que ça pose, je vais vous parler du contenu de la dernière Beautiful Box. Comme ça, eh bien, je gagne du temps, je vous parle de plusieurs choses en même temps et du coup, j'optimise ma vidéo. Donc on ouvre et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors apparemment il y a de l'or dedans, donc on va voir ça. Il y a deux parties, c'est très imprégné. Alors je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Vous voyez, il y a plein de petites bulettes là, ça mousse de partout. Donc on va voir ça. Donc a priori il y a une première couche. Alors c'est très gélatineux, ça me fait un peu penser d'ailleurs au masque que j'ai essayé il n'y a pas longtemps. Alors je vais me rapprocher. Il sent extrêmement bon. Oh, ils sont trop bons. Voilà, pour la partie du... J'espère que ça va pas glisser pendant que je vais parler. Ça va être très pratique. Encore une idée, une superbe idée. Voilà. Ensuite, j'ai un œil aussi. Et ensuite, on a la partie du haut. Ok. En fait, j'ai un trop grand front pour faire des masques comme ça. Par contre, il a l'air fragile une fois qu'on le pose après. Bon, on va rester comme ça, hein. Et si je pars bizarre, ben tant pis pour moi. Ce sera une vidéo tout pourrie et puis voilà. Vous n'aurez qu'à zapper. Donc en fait, vous avez à l'intérieur de ce masque, a priori, de l'or 24 carats. Bon, c'est tout marqué en coréen, donc il n'y a pas les ingrédients, enfin bon, il n'y a pas la description du masque en anglais. Donc voilà, je pense que ce masque va glisser tout au long de la vidéo, mais bon, hein, il glisse. Alors ça, c'est la merde, par contre. Du moment qu'il est efficace, on ne lui demande pas beaucoup de plus. Alors, donc voilà la dernière Beautiful Box. Elle s'appelle la Danson, me semble-t-il. Je l'ai vue sur une des dernières vidéos de Jenny. Au pays de Jenny, c'est sa chaîne. Donc du coup, c'est pour ça. À chaque fois, je regarde jamais les noms des Beautiful Box. Mais à coup de pas. Donc je l'ai reçue via Beautiful Box. Je vais passer mon temps à remettre ce masque en place. Hein. Si vous achetez ce masque, ne parlez pas en même temps, c'est une très mauvaise idée que je viens d'avoir. Alors, donc du coup, dans cette box, vous avez 4 produits et un accessoire. Donc l'accessoire, c'était une lime en verre. Sachant que les limes en verre, je vous les conseille fortement. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de lime que vous pouvez utiliser en limant vos ongles en va-et-vient sans abîmer le corps de votre ongle, en fait. Du coup, si vous limez vos ongles en va-et-vient avec une brosse normal, vous abîmez la fibre de l'ongle, du coup ils se dédoublent, ils se cassent, c'est une horreur. Mais avec les limes en verre, vous pouvez le faire sans problème. Du coup, je vous conseille les limes en verre. Et purée, mais quelle idée de daube je viens d'avoir. Donc du coup, la lime en verre, je vous la conseille. Ils ne mettent pas le prix parce que ben ça doit être un goodies, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu, donc ça là, je ne l'ai pas testé encore parce que j'en avais d'une autre marque. Et j'ai reçu un autre truc à tester. Donc du coup, c'est une mousse nettoyante pour le visage de la marque FG Cosmetics. C'est une exclusivité. Ça coûte 16,90€ les 100 ml. Et du coup, avec le code Beautiful
15, vous avez 15% de remise sur le e-shop de FG Cosmetics. Donc vous avez à l'intérieur du jus d'aloe vera, de l'hydrolate bleu pour décongestionner, apaiser, et de l'huile essentielle de citron pour purifier. Donc ça c'est fait pour mon type de peau, c'est juste top, je suis très contente, en plus c'est toujours du bio. Dans la Beautiful Box, elle porte bien son nom. Donc voilà, ah j'ai l'impression que plus ça sèche, moins ça tombe. Hop, ensuite on a reçu de l'Atelier des Délices, hop je vous le montre. Donc c'est un gommage douceur pour le visage à l'huile d'amande douce. Il sent extrêmement bon, je l'ai testé, il est très doux mais en même temps il gomme bien. Il vous laisse une peau toute souple, beaucoup d'éclat, donc ça je suis contente. C'est un gommage que j'utiliserai. Donc il coûte 23,90€ pour 50ml, c'est un gommage douceur clarté. Donc à l'intérieur vous avez deux lots d'orange bio, c'est pour ça que ça sent très très bon et c'est apaisant. Antioxydant, protège et tonifie la peau de l'huile d'amande douce, adoucissante et assouplie et apaise la peau. Et des grains de riz exfoliants qui éliminent les impuretés et les cellules mortes. Donc ça c'est un très très bon gommage. Ensuite on a reçu un shampoing ultra apaisant de la marque Indem. C'est un shampoing qui vaut 17,65€, les 210ml. Et on avait du coup avec le code Beauty15, vous avez 15% sur le e-shop de Indem. Donc c'est un shampoing, je vais y arriver, j'ai du mal à me concentrer avec ce bazar sur la tronche. C'est un shampoing qui est bio, donc forcément, et qui en fait est un apaisant pour le cuir chevelu. C'est-à-dire que pour moi qui ai du psoriasis, on va dire que ça apaise les gratouillis en fait. Si vous avez un cuir chevelu qui vous gratouille, apparemment ça a une action donc grâce à la camomille anti-inflammatoire, antidouleur apaisante, des feuilles de coriandre, c'est antibactérien, fongicide, anti-douleur, le bois de caddie antiseptique apaisant et parasiticide, voilà, et de la lavande purifiante et apaisante. C'est pour en fait purifier le cuir chevelu et empêcher les démangeaisons tenaces, voilà. Alors sur moi je n'ai pas vu beaucoup de résultats parce que je pense que le fait que j'ai un psoriasis qui soit assez, j'allais dire important, mais on va dire qui est là depuis longtemps, je pense que ça n'a pas fait grand chose. Mais vu la composition, je pense que ça peut en aider certaines, donc pourquoi pas. Et ensuite dernière chose, alors ça c'est super pour l'été, je trouve que l'idée était vachement bien. C'est une huile de massage jambes légères de la marque Algo Vital et ça coûte 24,90€, les 15ml. Donc vous avez à l'intérieur du lavandin qui décontracte les muscles, de l'amande poivrée forcément pour rafraîchir, du cyprès pour décongestionner au niveau de la circulation veineuse, du citron pour fluidifier la circulation et du bois de cèdre du Maroc qui régénère les artères. Donc en fait, pour celles qui souffrent de jambes lourdes pendant l'été, ça c'est une très très bonne idée et en plus ça agit aussi sur les muscles. Vous savez quand vous avez trop chaud et que vous avez envie, je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, moi des fois je suis dans mon lit et j'ai envie de partir faire un tour en courant autour de la maison quoi. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais je pense que c'est au niveau de la circulation, quelque chose comme ça. Donc du coup ça peut aider et du coup avec le code Beautiful40, vous avez 40% de remise sur le e-shop de Algo Vital. Donc ça c'est super intéressant. Et c'est valable jusqu'au 31 août. Donc vous avez le temps d'aller faire un tour. Donc voilà pour cette box. Si vous ne la connaissez pas, c'est une box que vous pouvez prendre en abonnement. Vous pouvez soit la prendre, il me semble, tous les mois et vous payez un tout petit peu plus cher. Ou soit en abonnement à l'année ou aux 6 mois et vous payez un petit peu moins cher. Je vous mettrai les prix juste là. C'est une box qui coûte un petit peu plus cher que la moyenne. Mais ce ne sont que des produits bio. Et au niveau de la valeur de la box, elle est largement amortie. Alors si vous êtes adepte à des produits bio, je vous conseille vraiment cette box. Et voilà, donc cette fois-ci elle était très bien, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les produits sont un peu petits, mais bon, ce sont des choses dont je me servirai en grande majorité, donc c'est très bien. En ce qui concerne maintenant le masque, je vais le laisser encore poser une quinzaine de minutes et je vous retrouve pour qu'on l'enlève, enfin pour que je l'enlève devant vous parce que vous n'allez pas venir. Et vous allez me donner vos impressions parce que je sais que la dernière fois quand j'ai utilisé le dernier masque dont je vous mets le lien en fin de vidéo, vous avez été nombreuses à me dire que ça faisait beaucoup d'effet. Donc j'attends vraiment vraiment vos impressions parce que moi des fois je le vois pas forcément. Je le vois que au montage, donc forcément tout ce que j'ai dit c'est trop tard. Je vais continuer à faire poser mon masque et on se retrouve juste après pour l'enlever et les impressions. Ah, j'ai fini de laisser poser le masque et tout de suite on va l'enlever. Alors en fait tout l'espèce de liquide qu'il y avait dessus est parti. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, c'est vraiment assez fragile. Je vais vous le montrer.
Ça se défait toute seule en fait. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous cuisinez et vous utilisez de la gélatine alimentaire, mais vous savez, vous devez la faire ramollir dans de l'eau en fait. Et ça fait exactement la même texture, c'est-à-dire que c'est mou, mais c'est fragile en même temps. En tout cas, une fois que les principes actifs ont séché, c'est un masque qui du coup tombe moins. C'est quand en fait, quand c'est humide que ça glisse et après ça glisse plus. Donc, alors au niveau de la texture, ça pénètre vachement bien. Il n'y a pas de rougeur, ça m'a pas piqué du tout. C'était très très frais. Après au niveau de la forme du masque, le problème c'est que au niveau de là en fait, c'était peut-être trop petit. C'est, enfin, les yeux étaient trop rapprochés, du coup ça faisait vraiment bizarre au niveau du nez, ça ne touchait pas au niveau du nez. Mais autrement, j'ai l'impression que ma peau est bien hydratée. Alors au niveau de l'éclat, oui, peut-être. Peut-être que ça change quelque chose. Ça, je vois rien au niveau des taches, au niveau des rides. Non, j'ai toujours autant de rides sur le front, hein, entre nous soit dit. Rien de bien extraordinaire pour un masque à l'or, n'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment un coup marketing, mais bon, rien de plus. C'est un bon masque hydratant. L'avantage c'est que le produit pénètre bien, vous n'avez pas la peau qui colle après. Vous pouvez très bien vous maquiller par-dessus, je pense. Ça peut être bien pour une sortie parce que vous n'avez pas cette sensation voilà, d'avoir énormément de produits qui donne qui rend la peau pâteuse. Donc voilà, donc c'est pas ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme on pourrait dire, mais voilà, c'est un bon masque. Mais de là à dire que c'est miraculeux parce qu'il y a de l'or dedans, non pas du tout. Donc voilà pour le test du masque et mon avis sur la Beautiful Box du mois de mai ou de juin, je ne sais plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle était un petit peu brouillon, j'en suis désolée, mais c'est vrai que j'ai tellement de choses à vous montrer et dont je veux vous parler que j'essaye de condenser en une vidéo. Et du coup, comme ça n'a pas grand chose à voir, ben, je me suis dit pourquoi pas tester comme ça. Je trouvais ça rigolo. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.